Là, par exemple, vous avez vu sous plusieurs angles, quoi, en train de... Je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il y a dans les barquettes, là. C'est quoi C'est des comme côtes de produit? porc. Côte de porc. Oui. Ça va vite, hein? Oui, parce que c'est par deux. Vous avez deux barquettes dans chaque colis. Et puis bon, la fille, elle envoie aussi, donc ça va assez vite. Qu'est-ce que vous voulez dire, la fille à la voix? Elle envoie les barquettes. Ouais. Puis bon, moi, je suis tombée avec une fille qui travaille vite, donc faut essayer de suivre. Hein. Parce que là, on voit, ça se cumule légèrement. Oui, et oui. C'est limite, hein? Mais quand c'est par 6, disons que bon, ça c'est plus facile. Mais là, par 2, ça va vite. Et surtout que quand on manque de carton, c'est pas évident. C'est pas évident, il faut prendre le rythme. Qu'est-ce qui est le plus fatigant pour vous? Disons que c'est de rester toujours debout comme ça, parce qu'on ne bouge pas en fait. Que vous soyez à la mise en carton ou à envoyer, on ne bouge plus comme avant. Avant, on allait chercher nos produits et tout, que là maintenant, tout arrive à nous, donc on ne bouge plus. Donc on a mal aux jambes, le dos. Parce qu'avant, c'était pas du tout configuré comme ça, Ah avant, non, pas du tout. évidemment. Non, 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 pas du tout. Enfin, moi, personnellement, je préférais avant. On gérait un peu nos commandes et on allait chercher nos produits. Donc, ça nous permettait de marcher, de bouger beaucoup plus que là. Parce que là, on ne bouge pas du tout, en fait. Oui, il y a le froid qui intervient là. Oui, il y a le froid. Et puis, le fait aussi qu'on ait changé d'horaire aussi. Parce qu'avant, on prenait à 9 h, donc... On pouvait dormir. Que là, bon là, faut se lever quand même à 4 h, 4 h 30 tous les jours, donc c'est un peu fatigant. Disons que là, on force plus là. Parce que bon, avant, fallait tirer les palettes, fallait porter les cartons, fallait. Que là, non, là, tout. Les bacs nous arrivent devant nous. Bon, le rail il est juste auprès, donc on fait que glisser le carton. Avant, il fallait le porter un petit peu pour le mettre sur le rail. Qu'est-ce qu'il y avait? On portait du poids en fait. Quand il y avait des palettes de 80 colis, à force. Mais bon, quelque part, c'était plaisant. Vous forciez plus Ouais, les gens. mais c'était la fatigue n'était pas la même et comment vous expliquer enfin moi pour moi personnellement bon j'ai mal aux jambes et j'ai mal au niveau des cervicales parce qu'on bouge pas et que mais que avant j'avais pas mal comme ça j'avais moins mal ou si peu que j'avais mal c'était différent et enfin, moi, personnellement, je préférais avant. Parce que sinon, avant, les cartons étaient les mêmes, les produits étaient les Ah, mêmes, exactement, les oui. étiquettes étaient les Ah, mêmes. exact. Oui, tout était Donc, pareil, sauf que, bon, c'est au niveau des lignes. Et avant, bon, on travaillait face à face. Que là, on travaille sur le côté. C'est une autre façon d'envoyer les barquettes aussi. McDo? McDo? Mon carton, il est coincé. Alors là, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous dites quelque chose? Eh bien, que les petits cartons étaient mis dans la goulotte des moyens, parce que vous avez 3 goulottes, une pour les gros cartons, les moyens, les petits. Et donc, le petit a coincé. Donc ça fait que les autres cartons ne peuvent pas descendre. Ça, il y a pas mal de problèmes avec ces cartons. Oui. Mais surtout pour les petits. Parce que apparemment la machine pour les petits cartons ne dépote pas assez par rapport à ce que nous on peut en prendre. Donc bon, c'est vrai qu'il y a toujours
quelques petits problèmes. Bon, ce matin, c'est pareil, il a été nous chercher des palettes parce qu'on n'avait plus de carton, donc bah, ils sont là pour nous aider. Hein. Ouais. Ils sont là pour... Ils sont toujours là? Non, pas toujours. Parfois, il faut les appeler parce qu'ils sont dans le bureau qu'ils ont dans le fond, là. Et non, mais en général, bon, on les appelle, ils viennent. S'ils sont dans le bureau, comment vous faites pour les appeler? Eh bien, on crie un peu. Ouais. On crie un peu fort, et puis... ou sinon, il y a quelqu'un qui se déplace. Mais en général, non. Ça... Vous les appelez si il y a des problèmes de carton, de palette? S'il n'y a plus de carton, on les appelle pour dire qu'il n'y a plus de carton. Donc, soit ils vont nous chercher des palettes, soit ils remettent... le système des cartons en route, on les appelle si, en fait oui, on les appelle moins qu'avant, on les appelle moins qu'avant, parce que bon avant c'est eux qui nous amenaient des commandes, tout ça, donc on les voyait beaucoup plus. Disons que on savait à peu près ce qu'il nous restait à faire comme travail et tout, que maintenant normalement on finissait par les supérettes pour les casinos, et que maintenant dès qu'on voit les casinos arriver, on dit bon ça y est, on a bientôt fini, et non, et il peut y avoir des carrefours qui arrivent après, donc on sait jamais, en fait on sait plus du tout où on en est. On envoie ce qu'il y a dans les bacs et voilà. Vous n'avez pas des indices sur l'écran qui vous disent non, si on voit le numéro de la tournée, donc on sait à peu près à quelle heure ça représente. Mais disons que on se sentait peut-être un peu plus utile que maintenant. On avait un peu plus de responsabilité que maintenant. Parce que là maintenant, tu vas à cette ligne-là et puis voilà, c'est tout. Parce que là, on a la responsabilité de quoi? De remettre une étiquette comme il faut, parce que c'est aller de travers. Et puis d'envoyer les cartons, c'est tout. On n'a plus de responsabilité comme avant. C'est pour ça que c'était un peu plus plaisant avant. Et ça vous arrive des jours où il y a des retards? Oui. Oui. Tout ça dépend combien... combien de lignes on est, ça dépend combien il y a de barquettes à faire. Il y a un tableau juste à l'entrée qui nous dit à peu près combien on a, et c'est sûr que quand vous voyez un chiffre et puis que qu'on n'est pas assez de personnes, c'est sûr que on ne va pas finir à 1h de l'après-midi. Hein. Et il manque après que les cartons ne marchent pas non plus. On se met en retard, en fait. Après, on est en retard et puis c'est... Ça fait long, quand même, quand ça nous est arrivé, quand même, de finir à 16h, 16h30. Ça fait long, hein. Ça fait long, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus aussi que vous avez une vie de famille aussi à côté. Et ça fait long. C'est sûr que... Mais bon... Ça m'a beaucoup surpris. En fait, vous savez, quand vous arrivez le matin, vous ne savez pas à quelle heure vous partirez. Non, jamais. Jamais. À part quand, avant, il y avait les nuits. Celles qui faisaient les nuits, elles savaient à quelle heure elles finissaient le matin. Mais ceux qui étaient de journée, non. Ça a toujours été comme ça. Oui. Ça dépend des commandes. Ça dépend, oui. Ça dépend du travail qu'il y a à faire. Et puis, quand tout marche bien, on se dit, on va partir de bonne heure. Donc... Le but, c'est de partir de bonne heure aussi. Hein.